Je m'appelle Elisabeth Bouchot, je suis physicienne, je suis aussi comédienne, auteure de théâtre et depuis 2014, directrice du Théâtre de la Reine Blanche dans le 18e arrondissement de Paris, dont j'ai fait une scène des arts et des sciences. Je crois vraiment que le théâtre est le plus court chemin d'un homme à un autre. Et par là, on peut toucher les gens. Et ça permet également de donner de la science une image moins austère. Au théâtre, il faut déranger. Le théâtre qui ne dérange pas n'est pas du bon théâtre. Et la science a ça de bien qu'elle dérange toujours parce que, au fond, elle propose des idées originales qui ne sont pas des idées reçues. Et le théâtre a véritablement cette vocation. J'ai écrit Le paradoxe des jumeaux en collaboration avec Jean-Louis Boer. Et cette pièce démonte l'image de Marie Curie, une femme qui ne s'habillait qu'en noir, qui faisait la tronche sur les photos. Parce qu'on montre une femme absolument passionnée par ses recherches, bien entendu, mais aussi une femme qui tombe amoureuse. Et ça, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est pas l'image de la dame austère habillée en noir qui peut donner aux jeunes filles l'envie de s'identifier à cette grande dame de science. Si on montre que c'est une femme qui peut être heureuse, eh bien je crois que c'est tout de même démonter une idée reçue aussi.